Eh bien, écoutez, faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va protéger. Ah, ben, tira wa. Yango tika da fouter. Ma pisse en a coaching à ma choyo. Ah, ah, ah. Papa. Didi. Wouah. Eh bien, gâteau n'y a pas qu'à côté. Eh? Bon, fini, Peming. Occasion, yango, beau côté. Yomo go côté. Côté. Yomo go. Bon marqué? Jeu des 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambouma, où ils en ont 4 lettres. B, passe. C, conserver les ballons. E, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au coup, mes champions. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission, ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour partager certaines informations du pays. Vous le savez, depuis le lancement de l'état de siège décrété dans le nord Kivu et dans les territoires d'Ituri. Les informations nous intéressent de partout. Aujourd'hui, nous allons descendre un tout petit peu dans la province du Sud Kivu, où nous avons des informations faisant état d'une présence suspecte d'une milice ou d'une armée étrangère qui serait arrivée en RDC. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? C'est quoi cette information et de quelle milice ou de quelle armée s'agit-il pour en parler? Je m'en vais tout de suite en RDC, dans le Sud Kivu, précisément dans les territoires d'Ovira, rencontrer Monsieur André Biadunia Mashaka. André Biadunia Mashaka, il est coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise. Il est présentement à Ouvira, c'est d'ailleurs là où la question nous intéresse, là où on fait mention de cette armée étrangère qui serait découverte par les habitants d'Ouvira. Alors, pour en parler, Monsieur André Biadoni, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur, je suis en ligne, je vous écoute. Salut à nos auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, on fait état d'une présence suspecte d'une armée étrangère dans les territoires d'Ouvira. Vous êtes membre de la société civile dans cette partie du pays. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Bien sûr, je suis M. André Biadunia, comme vous l'avez dit. Je suis le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise dans la partie sud-sud de la province du Sud Kivu. Je vous confirme qu'il y a eu présence, il y a eu traversée de plus de 200 personnes vêtues, certains en tenue militaire et d'autres vêtues en tenue civile et lourdement armées. Ils ont traversé la frontière de la rivière Ruzizi pour les territoires d'Ouvira. Ils ont passé à travers de la plaine, la Ruzizi, et ils se sont installés dans les moyens et au plateau de ces territoires-là. Et actuellement, au moment où je suis en train de vous parler, les informations de notre possession font état de leur présence dans le village de Marungu. Marungu, c'est dans les groupements de Runingu et dans la chefferie de Bafuliru. C'est là aujourd'hui qu'ils sont cantonnés, mais mal 5e déjà de la présence de ces gens-là, et ils sont en train de vouloir quitter les villages parce qu'ils sont menacés de quitter, et curieusement, ils sont en train d'accuser leurs propres enfants qui sont les premiers armés là, que nous, jusque-là, on ne sait pas, on est en train de nous parler des Imbonerakure, les autres parlent des FNL, Red Tabara, mais les informations de notre possession disent que c'est M. Sematama. Sematama, c'est un chef d'un groupe armé qu'on appelle Gumino, qui les a facilités parce que
Les informations que nous avons, c'est que le monsieur a passé un séjour de plus d'une semaine au Burundi pour négocier avec ces hommes-là pour qu'ils viennent à leur rescousse. Mais ce n'est pas seulement leur rescousse, mais pour qu'ils viennent aussi traquer les groupes armés réfractaires, les Red Tabara, réfractaires au pouvoir burundais. Alors, allons-y calmement et doucement pour comprendre cette situation. Donc, depuis quand vous avez découvert la présence de cette milice ou ces groupes armés dans les hauts et moyens plateaux? Depuis quel jour? La présence de ces groupes, celui dont nous parlons aujourd'hui, c'est depuis le 16 mai. C'était le dimanche, c'était le 16 mai. Et qui sont passés par la rivière Changé jusqu'à s'installer à Marung. Mais ça, c'est presque le dernier cas. Vous allez vous rappeler qu'il y a et étrangers qui viennent, c'est-à-dire que les groupes armés étrangers viennent se greffer sur les groupes armés locaux qui œuvrent, qui pillent dans les moyens et au plateau d'Ouvira, Fizi et Mwenga. Et là, ce sont des coalitions contre nature. Parfois, ils vous disent qu'ils sont en train de protéger leur famille, mais quand on va se poser la question comme société civile, en quoi est-ce qu'un groupe armé étranger peut venir défendre les familles congolaises dans leur propre pays? Ce qui est aberrant, ce qui est incompréhensible. Donc, vous dites que les groupes que vous avez identifiés sont habillés en tenue de l'armée burundaise. Tenue civile et d'autres étaient habillés en tenue militaire. Et, mais ils étaient tous lourdement armés. Ils avaient des munitions sur la tête et d'autres avaient des armes à feu. Alors, la question maintenant que d'aucuns se posent, est-ce que l'armée congolaise est dans la région? L'armée congolaise n'a pas intervenu, parce que si l'armée congolaise allait intervenir, elle allait faire cette opération avant que ses amis, bon, ces bandits-là, atteignent les lieux où ils sont cantonnés. Nous avons maintenant 5 jours, aucun signal des opérations. Jusque-là, nous avons essayé d'alerter les FARDC, les commandants du secteur opérationnel Sud-Sud Kivu, mais jusque-là, on n'a pas encore vu même un signe des opérations dans ce sens-là. C'est comme ça que nous, à notre niveau, nous sommes en train de pousser pour que les opérations militaires puissent commencer. On ne doit pas laisser à ce que les groupes armés entrent d'abord sur le territoire national pour venir les traquer après. Mais on doit les faire en amont et non venir les chercher en pleine brousse et en plein village où se trouvent les civils. Alors ces gens qui sont venus, vous dites qu'ils sont, ils sont amenés par un certain Sematama. Alors, qui est ce monsieur Sematama? Est-ce qu'il est un ancien milicien ou c'est une nouvelle personne que vous avez découverte il y a quelques jours dans la zone? Je ne vous écoute pas, s'il vous plaît, vous dites. Je disais, ces miliciens sont amenés par un certain Sematama. Est-ce que ce monsieur est connu dans la zone d'Ouvira? Oui, il est connu. Sematama est connu dans la zone. Il est connu dans la zone comme un des responsables des groupes Gomino, œuvrant dans les territoires de Fizi, territoires d'Ouvira et territoires de Mwenga. Il est connu, bien identifié comme tel. Je crois d'ailleurs qu'il doit être un ex le MFRDC. Il était dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et il avait abandonné pour, bon, sous le motif qu'il est parti sécuriser les membres de sa communauté. Il est de quelle communauté, lui? Il est de la communauté Banyamulenge. Donc, il est de la communauté Banyamulenge. Il a quitté l'armée pour aller sécuriser sa communauté Banyamulenge. Il a quitté l'armée, il a dit que sa population, sa communauté est insécurisée et qu'il ne doit pas rester en train de croiser les bras dans l'armée. Pourtant, cette armée-là, les FARDC ne protège pas sa famille, sa communauté. C'est comme ça, il doit se rendre dans les moyens plateaux. C'est lui qui avait d'abord quitté jusqu'à après
après Makanika, Makanika, c'est oui. Un colonel, c'est comme ça qu'il est parti, oui, il est parti, il a dit qu'il ne peut pas voir comment est-ce que les membres de sa communauté sont en train de mourir, et c'est comme ça qu'il est parti dire qu'il les sécurise, mais il n'est pas le seul, il y a un autre qu'on appelle Kijangala, qui est de la communauté Bafuliru, lui aussi, c'est un Maïmaï, qui œuvre dans cette partie du territoire national, dans le territoire d'Ouvira, lui aussi facilite les Imbonerakure pour venir traquer les soi-disant opposants au pouvoir du Burundi. Alors, est-ce que ces messieurs, comment vous interprétez ça? Ces messieurs, Samatama, étaient Munyamulenge du Rwanda. Comment il peut aller prendre... Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, vous m'entendez là? Je vous écoute, oui. Alors, la question que nous nous posons est la suivante. Ces messieurs, Sematama et Munyamulenge du Rwanda, et comment expliquer qu'il aille prendre des militaires burundais pour venir sécuriser les Banyamulenge qui sont des Rwandais? Est-ce que ce ne sont pas des militaires rwandais qui sont entrés en RDC? Sous peut-être les labels du Burundi. Vous savez qu'il y a je voudrais vous préciser ici que vous vous rappelez en 2015, oui. Lors du coup d'État manqué Burundi, les réfractaires de ce pouvoir s'étaient réfugiés au Rwanda. Arrivés au Rwanda, les Rwandais, avec des menaces de la communauté internationale, de l'Union africaine, les réfractaires du pouvoir burundais qui avaient raté les coups d'État, ils avaient été expulsés du Rwanda. Au lieu d'être au Burundi, ils s'étaient au plateau d'Ouvira. C'est comme ça maintenant, pour que, selon les Burundis, pour se sécuriser, pour se sentir à l'aise, pour ne pas subir le sort de ce qu'ils avaient fait il y a des années, ce sont des militaires détachés des forces de défense du Burundi pour venir traquer ces réfracteurs-là dans les moyens au plateau. Et pour y parvenir, ils doivent avoir un bras séquilier, un groupe sur lequel ils vont se greffer pour essayer de se sécuriser. C'est comme ça que Sematama est utilisé. Sematama et Kijangala, ils sont utilisés par les pouvoirs du Burundi pour essayer de vouloir sécuriser et traquer ces réfracteurs-là du pouvoir du Burundi. Alors, que dites-vous de ces messieurs Sematama qui a fui l'armée il y a déjà quelques jours? Est-ce que l'armée congolaise n'a pas initié une action pour rechercher ces messieurs et l'arrêter, ou il y a un silence de la part des FARDC? Jusque-là, bon, parce que vous pouvez même vous poser la question, il travaillait, il est vrai comme les FARDC dans le Nord Kivu. Mais entre le Nord Kivu et le Sud Kivu, il y a des kilomètres et des kilomètres. Mais vous pouvez vous poser la question, comment est-ce qu'il est parvenu à... Sud Kivu, le fin fond du Sud Kivu, dans les montagnes, dans les massifs, il tombe. Comment il est parvenu à arriver là-bas? Il n'était pas seul, il est accompagné par d'autres hommes armés. Et c'est pourquoi nous, la société civile, nous avons toujours dit que quelque part, dans l'armée, il y a des complices de tout ce qui se passe en RDC. Parce qu'il n'est pas possible que les militaires se déplacent d'une province à une autre à des milliers de kilomètres sans qu'il soit déniché. Et depuis qu'il est là, c'est vrai, il y a des opérations qui se font, mais ce ne sont pas vraiment des opérations de neutraliser, de vouloir neutraliser ces groupes de Sematama et les Kumino et les Maïmaï qui s'intéressent dans la région. Nous pensons que quelque part il y a la complicité parce que jusque-là, on n'a pas encore vu des opérations de grande envergure pour mettre hors état de nuire tous ces groupes armés-là, que ce soit Kumino, que ce soit Tuganeo, que ce soit Maïmaï, parce que les populations civiles en souffrent maintenant. Alors dites-nous, il y a combien de groupes armés dans les hauts et moyens plateaux, Ouvira, toute cette partie-là, il y en a combien maintenant aujourd'hui, ajouté à celui de Sematama? Il est difficile de vous dire combien il y en a dans la partie sud-ci de la province du Sud Kivu. Kivu aujourd'hui, la cartographie nous présente 104 groupes armés actifs. Mais dans la partie sud-sud, nous pouvons y aller jusqu'à 30 groupes armés parce qu'il y a
Il y a des groupes armés de 4, 5 personnes. Il y a des groupes armés de personnes. Et comme ça, on vous dit, chacun vous dit qu'il est chef là où il se retrouve. Il est patron là où il se retrouve. Et il sème terreur là-bas. Dans la partie sud-sud, on peut avoir une trentaine, mais dans la province du Sud-Kivu, nous en avons aujourd'hui 104 groupes. Ça, c'est seulement dans les dans la partie. Et parmi les 104 groupes armés, il ne faut pas oublier qu'il y a des groupes armés étrangers. Et d'ailleurs, ils sont nombreux, les Red Tabara, les Forebi, les FNL, les Tuganeho. Ils sont là, tous sont là, et donc ils sèment terreur aussi aux yeux de l'État congolais. Mais aujourd'hui, nous nous sommes en train de déclarer dans la partie sud-sud de la province de Sud-Kivu, mais aussi dans la province de Sud-Kivu. Parce que le contexte de l'Ituri, du Nord Kivu, est presque similaire. Simplement parce qu'au Sud Kivu, les exactions de tueurs humains se passent dans les moyens et au plateau, une zone enclavée où il n'y a pas facilité de prendre des photos et les partager dans les réseaux sociaux. Mais seulement la différence, c'est que dans le Nord Kivu et l'Ituri, on peut facilement prendre la photo, on peut tuer quelqu'un tout de suite et dans 3 secondes, les images sont déjà dans les réseaux sociaux. Mais au Sud Kivu, les gens meurent. Et les familles font des deuils sans que les corps soient visibles. Sans que les corps ne soient visibles. Il doit nous aider à étendre l'état de siège au Sud. Alors dites-moi, ce que vous dites devient de plus en plus intéressant, puisque moi je ne connais que les groupes armés étrangers FNL Palipé Hutu du Burundi, puisque je les ai déjà interviewés une fois. Et quels sont les autres groupes armés qui sont dans la région, qui appartiennent au Rwanda et d'autres? Donc, groupe armé étranger en provenance du Rwanda et d'autres en provenance du Burundi, à part FNL Palipé Hutu. Exact. Qui sont là pour les intérêts du Rwanda, et il y a les groupes armés qui sont là pour les intérêts du Burundi, mais aussi les groupes armés locaux. Donc, vous comprenez que c'est du mélo-mélo. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, quelle est votre solution pour mettre... Oui, quelle est votre solution pour mettre fin à ça? Donc, vous dites que dans la partie sud-sud, il y a 104 groupes armés actifs. Non, dans la partie sud, dans la province sud-kivu, il y a 104. Mais dans la partie sud-sud, on peut en avoir 30. Donc, les sud-kivus seuls a 104 groupes armés. Vous nous confirmez ça? 104 groupes armés, je vous les confirme parce que nous étions hier dans la réunion de la recherche de la paix dans la partie sud-sud avec le ministre provincial de l'Intérieur, aussi de Kivu, c'est lui qui nous a présenté ce tableau-là. Il nous a parlé qu'au mois de janvier 2020, il y avait une 90, aujourd'hui ils sont arrivés à 104. Au lieu de diminuer, ça augmente. Non, c'est pas possible. Au lieu de diminuer, ça augmente parce qu'il n'y a pas d'efforts pour la réduction. Parce que j'ai toujours dit, la société civile a toujours soutenu que les dialogues, sincèrement, les dialogues ne peuvent pas parvenir à faire à ce qu'il y ait réduction des groupes. Donc, ça sera pratiquement. Les responsables ont déjà commis des crimes graves, des violations des droits de l'homme, ils sont en train d'hésiter pour la reddition. Et nous, pratiquement, c'est la solution de traque. On doit étendre l'état de siège au site Kivu pour mettre hors état de nuire tous ces groupes armés-là. Dans les cas contraires, nous allons comprendre qu'il y a quelque part où l'État joue les malins avec la sécurité de la population. Merci beaucoup. Et vous pensez qu'on peut mettre fin à tous ces 104 groupes armés? Ça sera pratiquement 105 avec celui de Sematane. Oui, 104. Je pense qu'avec les traques, si on les traquait, avec la détermination de la population congolaise, que nous sommes prêts à accompagner l'État congolais. Nous sommes prêts à aller aux côtés des FARDC, la seule armée que nous avons. Si les FARDC sont bien traités, ils sont nourris, ils ont leurs soldes. Comme une armée loyale, je vous dis sincèrement, dans moins de 30 jours, facilement, on peut mettre bouteille dehors tous ces groupes armés-là. Parce que je vous rassure que les populations sont déterminées à en découdre avec ces forfaits, ces fauteurs à nos troubles. On n'en a plus besoin d'eux. Ils avaient dit qu'ils étaient partis.
aviation civile. Et c'est comme ça que les gens se disent maintenant, nous on est plus avec vous, vous devez mettre les armes entre les mains des FARDC et de l'État congolais. Dans le cas contraire, nous allons accompagner l'État congolais jusqu'à ce qu'on doit prendre les derniers, la dernière personne dans son dernier retranchement. Dans le cas contraire, nous-mêmes, la population civile, on en a marre. Nous sommes déjà fatigués, on a déjà enterré beaucoup de personnes. Si je vous donne les statistiques aujourd'hui, des femmes qui ont été éventrées, des enfants qui ont été tués, 3, 4, 5 ans depuis que les enfants ne fréquentent plus les écoles, il n'y a plus des églises, les infrastructures de base n'existent pas. Vous allez pleurer, vous allez voir, vous allez dire que la RDC, ce n'est pas un pays où il faut vivre, mais nous n'allons pas l'abandonner, ce n'est pas une hécatombe, nous allons rester ici jusqu'à ce que nous allons nous libérer nous-mêmes aux côtés des FARDC. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur André Biadouni Mashaka, pour votre disponibilité. Peut-être un petit mot, un dernier mot, pour terminer notre entretien, et nous reviendrons toujours à vous pour de nouvelles informations sur Yana. Merci beaucoup. Le dernier mot, c'est que nous allons interpeller les amis de la diaspora. Il y a ceux-là qui sont là-bas pour essayer de voir par quel mécanisme ils peuvent accompagner l'État congolais, la société civile, à devenir des ennemis de ces pays. Et nous n'allons pas les laisser passage. Ils doivent tous tourner dans la même direction pour que nous puissions cheminer tous droit vers une paix durable, parce que la paix, c'est le gage de tout développement. On ne peut pas prétendre développer un pays sans la paix, sans la sécurité. Nous sommes déterminés au pays, et ceux-là qui sont à l'étranger, et nous sommes ici, nous devons nous unir main dans la main pour bouter dehors tous ces groupes armés-là, parce que la RDC, c'est un grand pays, c'est un géant qui dort. Lorsqu'il va se rattraper, je pense que l'Afrique aura besoin des potentialités de la RDC, et les populations civiles, les enfants, les générations futures vont hériter une terre léguée par leurs aïeux et Merci beaucoup, Monsieur André Biadounia, de nous avoir donné ces informations très intéressantes du Sud Kivu. Merci et toutes les bonnes choses. Nous serons encore très disposés de vous recevoir quand il y a de nouvelles informations. Merci et bonne journée chez vous. Merci beaucoup. Nous allons. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bon, merci beaucoup. Voilà, chers amis, là vous venez de suivre cet entretien riche en informations avec notre ami André Biadounia, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du Sud Kivu, mais présentement il est à Uvira. En synthèse, il nous dit qu'il a vu un nouveau groupe armé étranger, puisque les éléments portaient l'uniforme qui n'est pas celle de la RDC, et au nombre de 200 bien identifiés, qui débarque en RDC, et plus précisément dans les hauts et moyens plateaux. Alors, les hauts et moyens plateaux, pour rappel, c'est l'endroit occupé par les Banyamulenge. Vous savez que les Banyamulenge, entre les Banyamulenge et les Maïmaï, il n'y a pas vraiment de bonnes relations, puisque parfois les Maïmaï se disent, vous avez une limite, vous ne pouvez pas franchir. Si vous franchissez cette ligne, nous allons vous attaquer. Les Banyamulenge aussi, souvent ils disent, poussez-vous là-bas, notre ligne, ça ne s'arrête pas ici, ça s'arrête là-bas. C'est comme ça qu'il y a eu toujours des problèmes entre les Banyamulenge et les Maïmaï, très souvent. Alors, les Banyamulenge, en tout cas, poussent un tout petit peu toujours la limite entre eux et les Maïmaï. Alors, les Maïmaï sont là, ils se disent les protecteurs de leur terre. Et les Banyamulenge disent que non, vous êtes en train de prendre une portion ou une partie de notre terre. C'est ainsi qu'il y a toujours une grande méfiance les uns les autres, et il y a toujours des conflits à tout moment. Alors, c'est dans les hauts et moyens plateaux. Maintenant, quand il y a eu des troubles ces dernières semaines, vous avez appris qu'il y avait des généraux ou des colonels qui ont fouillé l'armée nationale pour retourner dans les hauts et moyens plateaux, un territoire occupé, une zone occupée par les Banyamulenge. C'est ainsi que parmi ces généraux, ces colonels, il y a un certain Sematama,
qui servait au sein de l'armée nationale, qui a fui l'armée et qui a regagné son village ou sa communauté Banyamulenge. On l'a cherché, il était au nord Kivu, il a fui pour se retrouver au sud Kivu, dans les hauts et moyens plateaux, bien accueilli par les Banyamulenge et bien entretenu. Alors, quelques semaines plus tard, il disparaît dans la ville, et, puisque les FARDC le recherchaient. C'est ainsi qu'on l'a vu il y a 5 jours, retourner avec 200 personnes derrière lui. Ces 200 personnes habillées en tenue de l'armée burundaise. Alors, ça, c'est là où je n'ai pas bien compris. Alors, quand ils sont venus, tout le monde est calme, hein, et ils passent au Vira pour se retrouver dans les hauts et moyens plateaux. Ils s'installent, bien accueillis par la communauté Banyamulenge. C'est-à-dire qu'il est allé prendre les renforts pour venir sécuriser la communauté Banyamulenge. Alors, yango tolobakanga na lobaki na lobi, na sale mission ya Banyamulenge na lobi, chers amis, bolobi basobo mabino. Mais quand vos frères quittent l'armée nationale, aïe, azong, si réellement vous avez besoin du Congo. C'est comme ici aux États-Unis. Je vous ai vu marcher ici, les Banyamulenge. Bon, le bâtiment que moi, en bas, il y a toujours contre les Banyamulenge. Non. Moi, je suis un peu la logique. Est-ce que vous avez déjà vu votre enfant qui est au sein de l'armée nationale, ici aux États-Unis, quitter l'armée, déserter, et puis retourner dans les hauts et moyens plateaux? Il sera recherché, traqué partout. Alors, si votre fils qui sert au sein de l'armée nationale, à qui met l'armée nationale, à Zongi et Panabino, mais dites-lui clairement, papa, tu as accepté d'être militaire, vas-y, s'il te plaît, on n'a pas besoin, Tolingi va conflicter. Zonga en armée nationale va servir Eza Moussala Osoze. Là, on trouve que vous êtes des Congolais, vous avez besoin de voir la paix régner dans votre communauté. Mais quand vous encadrez votre fils, Akimi armée nationale, vous êtes aussi un ennemi. Regardez maintenant. Ce monsieur est allé prendre des militaires 200 au Burundi ou au Rwanda, je ne sais pas. Baye, Bavandi na communauté, silence à radio. N'eût été la société civile, mais les bisous sont bien rotés. Le monsieur m'a appelé, honoré, puisqu'il a mon numéro, moi j'ai son numéro. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle armée étrangère qui vient d'entrer en RDC. J'ai dit, quoi? C'est ainsi qu'on a discuté. J'ai dit, bon, on doit partager ça avec la communauté congolaise de l'étranger. Chers amis, ces messieurs est maintenant installé à Uvira, dans les hauts plateaux, confortablement assis, armé jusqu'aux dents. Banyamulenge, vous qui marchez, vous ne voyez pas, vous n'avez pas entendu ça? Ces gens qui sont venus armés jusqu'aux dents, c'est pour tuer qui? Puisqu'ils sont sur les sols congolais. Vous allez encore marcher quand l'armée va entrer et les désarmer des forces? Mais attends, la communauté Banyamulenge, est-ce que vous me suivez? Votre frère qui a fui l'armée nationale, qui est allé au Rwanda, au Burundi, recruter, il a amené des militaires sur les sols congolais. Vous êtes calme, non? Chers amis congolais de la diaspora, est-ce qu'on peut s'organiser pour... On nous a accusés, hein, les dimanches passés, ils ont marché partout ici. Hein. On nous tue, on nous tue. Maintenant, là, les armes qui sont entrées en RDC, c'est pour tuer qui? Dites-nous, ces armes-là, c'est pour tuer qui? Les animaux ou les Congolais? Alors, quand les Congolais vont se défendre aussi, non, nous sommes marginalisés, nous sommes minorités. Robert Roazarias, Robert Roy, tu es là, non? Moïse Nyarugabu, j'ai montré ta vidéo ici. Ta vidéo ici. Attends, je cherche un peu. Vous allez dire que Honoré à l'obakabilobela. Moi, nana bino yoana, akim na armé bobombi. Akezoa, armé ya libanda bobombi. Et quand on va vous menacer, vous désarmer des forces, non, communauté internationale, nous sommes menacés, ainsi de suite. Vous qui avez marché aux États-Unis, vous avez entendu? On attend que vous fassiez une déclaration, nous dire, écoutez, ce qui est arrivé là, c'est une erreur. Comme ça, sinon vous êtes des ennemis. Moi, je vous considère comme des ennemis. Les Congolais sur place vous considéreront comme des ennemis aussi. Et nous allons vous combattre.
puisque ça, c'est de l'hypocrisie. Vous êtes dans les pays, vous détruisez, vous tuez vos frères voisins et on ne va pas vous accepter comme ça. Chers amis, j'ai toujours demandé, est-ce que l'Assemblée nationale, cette question, la question de Banyamulenge doit faire l'objet d'un débat profond. Bocha débat ça, invitez la communauté Banyamulenge. Chers amis, êtes-vous Congolais ou vous êtes tantôt Congolais, tantôt Rwandais? Dites-nous clairement, on vous met de quel côté? Vous êtes Congolais, obéissez, restez sous les lois de la République. Aussi, Mimondo, qui tu es un civil, sache que tu vas faire 20 ans en prison. Et puis, quand vous venez aux États-Unis, est-ce que les États-Unis vous imposent que restez dans tel État? Non, on vous distribue. Est-ce que vous choisissez là où il faut vous mettre ici aux États-Unis? Vous êtes dans les 50 États. Vous venez, on ne vous permet pas de vous mettre non, dans l'État peut-être de Washington, c'est là où on trouve les Banyamulenge. Non, vous êtes partout. Au Congo, acceptez aussi, députés, faites de ça un débat. Demandez à ces Banyamulenge que la RDC est vaste. Trouvez un autre endroit si vous voulez rester ici en RDC. Puisque là où vous êtes, vous, chers amis, les députés, je risque de tenir un langage inapproprié à l'endroit des députés. Les députés, cette question doit faire l'objet. Parlez de cette question. Faites un débat retransmis sur l'ensemble du pays. Tout le monde doit comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette communauté Banyamulenge. Là, c'est un groupe qui vient encore de naître. Au total, ça sera 105 groupes armés seulement dans le sud Kivu. Qui peut imaginer ça? Je reviendrai. J'attends que les Banyamulenge demandent à leurs frères, s'il vous plaît, ces nouveaux groupes armés-là, fait la honte de notre communauté. Bazonga Bisika Baouti. Si vous ne le faites pas, nous allons vous combattre à partir d'ici aux États-Unis. Tibitumbone Kokende, Tiepanabiso, Naouvira. Donc, trop, c'est trop quand même. On doit pas supporter des bêtises jusqu'à ce niveau-là. Chers amis, pour terminer, faisons un petit tour dans les nord Kivu et les sud Kivu avec l'état des sièges. Nous allons dans les nord Kivu pour avoir un peu une idée sur ce qui... Non, Anitouri, pour avoir un peu une idée sur ce qui s'est passé hier, donc disons ces deux derniers jours. Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui viennent de nettoyer la route Bunia-Mahagi, qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières des perceptions illégales des taxes, érigées par les miliciens Codeco, au pont Nizi vers la localité Libi, ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ces jours, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire du Rumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupes armés Codeco est passé sous contrôle de forces armées. Les véhicules passent librement, les trafics sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire de forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle de forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobou, Sandoukou, Goudjo, Dera, Libi, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire des Djougou et Irumu. Les miliciens Codeco et FPIC sont donc avertis. Merci beaucoup les FARDC, nous sommes avec vous. Vous faites du bon travail. Surtout en Ituri, la communication passe et nous sommes au courant de toute la situation. Qu'est-ce qui se passe au sud Kivu? Merci, les FARDC, vous avez notre soutien. Vous avez le soutien du HK Today Télévision. Chaque jour, on parlera de vos actions sur terrain. Bon courage, on est ensemble. Alors, descendons au sud Kivu, il y a eu aussi des activités. Et les gouverneurs
a lancé un message. Il est allé, il est sur le terrain, en train de sensibiliser les groupes armés, de déposer immédiatement les armes pour ceux qui n'ont pas encore fait ce geste. Alors, on écoute le gouverneur du Sud de Goma. S'il vous plaît, excusez-moi, j'ai parlé du Sud Kivu. Il n'y a pas l'état d'urgence au Sud Kivu, mais c'est plutôt à Goma, au Nord Kivu. Dans le cadre de sa mission d'imposer la paix et la restauration de l'autorité de l'État en Ituri, le gouverneur de province est rendu ce mercredi 19 mai 2021 à Guiti-Chefulier de la chefferie de Walindu-Bindi dans les territoires du Rumu. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a fait l'objet d'un accueil digne de son rang, signe de son acceptation par la population locale. Dans son adresse à la population, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny a invité le groupe armé, notamment le FRPI, Force de Résistance Patriotique, à Nitori a s'inscrit dans la logique de la paix. Dans les cas contraires, ils subiront la puissance de feu des forces armées. Le processus de DRC est la seule voie de sortie, a-t-il précisé. Dites aux enfants, dites à nos enfants qu'ils soient prêts. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, non, maintenant là qu'ils commencent à venir déposer les armes. Aux groupes armés étrangers, le gouverneur de province avait un seul message à la population, celui de se désolidariser. Ne leur donnez pas cette occasion-là, on n'en veut pas. Et ceux-là, vous allez voir, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et ceux-là même, nous allons traquer et eux et leurs complices. Et là, on sera sans pitié. Rappelons que le lieutenant général Luboya Kachama était parmi les officiers chargés des opérations de DDR de la même milice en 2012, dont sa présence à la tête de la province de l'Ituri constitue un espoir. Voilà, excusez-moi, j'ai parlé du Nord Kivu, mais c'était toujours en Ituri où ce gouverneur est très actif. Alors, on se demande qu'est-ce qui se passe au Sud Kivu, non, au Nord Kivu. Là, c'était en Ituri, mais au Nord Kivu, on n'a pas suffisamment d'informations et j'avais prévu recevoir le gouverneur aujourd'hui. En tout cas, le rendez-vous ne sera pas encore possible. On se demande, est-ce que au Nord Kivu, précisément à Goma, est-ce que les services de communication, état de siège, marchent? Puisque j'ai tenté maintenant, aujourd'hui, c'est le deuxième rendez-vous. Nous allons encore tenter demain. Ni les porte-parole, ni les gouverneurs, même si on échangeait, mais bon, finalement, c'est comme si il y a un tout petit peu de résistance pour un peu communiquer comment les choses évoluent sur terrain. Mais on va encore voir, peut-être ça va aller. Alors, pour terminer, chers amis, avec cette émission, allons dans les Katanga, et là, nous allons jusque la ferme à Jikaka, Joseph Kabila Kabangé, où il y a eu un phénomène. Le phénomène, c'est un peu compliqué. On a arrêté plusieurs personnes et d'autres qui présentent des signes comme si ce sont des fous. D'autres qui sont entrés avec des uniformes de l'UDPS. Mais ça, on trouve ça dans la ferme de Jikaka. C'est un peu compliqué. Les images viennent d'arriver tout de suite. Là, c'était aujourd'hui matin. Et on me dit, nous allons revenir à toi tout à l'heure pour d'autres informations. Alors, on ne sait pas. Je ne sais pas donner trop de commentaires là-dessus, mais je vous invite juste à voir ce qui s'est passé dans la parcelle de JKK aujourd'hui. Bonjour, Abba. Bonne année pour fermer un JKK, pour fermer espoir. Maman. On a seulement été non. Pour battre les DPS, on a pas cherché à faire du n'importe quoi. On a battu avec un cadastre. On a un cadastre, on a mobilisé, on a tout mis dans mes documents. Alors, on n'a pas compris, ces gens sont une vingtaine. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Et
toutes les questions qu'on leur avait posées, personne n'a répondu à ces questions. Alors, est-ce qu'ils vont passer aux aveux? Ils vont se prononcer? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Alors, ça, c'est une question qui reste encore un peu... on ne sait pas, mais c'est dans la parcelle de JKK. Je cherche une autre vidéo. Je ne sais pas. Alors, l'émission est déjà arrivée à 40 minutes. Je reviens à vous si j'ai tous les détails sur cette question. Comme ça, je reviendrai à vous pour vous dire de quoi il est question. Est-ce que ces gens ont parlé? Puisqu'on ne peut pas commenter ou dire ce qu'ils n'ont pas dit. Mais le problème est qu'une vingtaine de personnes, parmi eux, il y a des vieux, à peu près 5. Les autres sont de jeunes, mais habillés, certains habillés en... Les habits de l'IDPS, l'effigie de l'IDPS, il y a des écharpes, il y a des t-shirts. On dit, mais qu'est-ce que vous foutez ici dans la ferme de JKK Joseph Kabila Kabange? Un point d'interrogation, je reviens à vous, si j'ai de détails. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je vois, il y a beaucoup d'amis qui... Et je salue en passant tous les amis notre ami Issa nous a fait un don de quelque chose. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas remercié. Il y a aussi notre ami Galamoulmé Justin, écrivain du livre médical, dossier médical électronique, qui nous avait aussi donné 34 dollars canadiens. Merci. Et il y a aussi un trois merci à ceux qui contribuent à notre programme. Merci beaucoup pour ça. Que mon Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Avant de quitter, abonnez-vous, faites abonner les autres, partagez toutes nos émissions. J'ai vu toutes vos réactions sur l'émission que nous avons faite sur notre ami Meko. Alors, je n'aime pas trop Bocha Emotion Makasite, sinon Tokoko Kananaye. C'est quelqu'un qui s'était complètement perdu. Et il était question, et c'était de notre devoir, et à cause de ça, il en est là, hein, dans la façon à bien, sans insulte. Alors, merci de l'avoir fait. Alors, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci et à la prochaine. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va péter. Ouais, avec la wap, yango tika da footer. Ma pisse en a coaching à ma joyo. Papa, Didi. Wouah, il benga son yabaka de côté. Eh, bon, fini péming. Occasion en goût, bon côté. Yomo go goche, goche, yomo go. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et bêta makanambouma ou ils en a 4 lettres. B, passe. C, conserver les ballons. E, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquer seulement 5B au coup, mes champions.